Mbote bandeko balandi sango ya Congo ndekala tumisana kupesa bino basango ya République démocratique du Congo parce que l'information ils ont devoir la mission ya kupesa la bino toujours en temps réel l'information ils ont mis pour le mboka na mission Congo. En tout cas la émission amsa le tour le belaka à Congo tour le belaka ma mambo etel ba congolais tour le ma mambo etel ba tout cité ba américain de côté ma mambo etel la première sauté bon on a plateau na ngai na zali pendant ngai mon côté na zali na moko ya ma président parlementaire na Congo ya Bécho. Bon, on continue l'émission. Je suis beau témoin à moi. Mbote Gédéon, Mbote Nabande Gonyo, Sobaninga Abisso, Mbote Nabande Gonyo, sa grande famille à Yoka Basse TV, Mbote partout dans le monde, Bisso Petosa à l'aise au rythme du pays toujours. Merci Président Abessole, toujours pour répondre à l'invitation d'Abessole de sur la Macambo et Zali Koleka. Président Abessole, si réellement le Président de la République a travaillé la vision où il y a les peuples d'abord, les morts le bas, les filles qui sont les bosso, pourquoi pas à Sali et le peuple de l'Ossénaïe que Monisco a quitté le sol congolais, il y a un problème que le Président de la République a été banga, le Président de la République a Monisco a un contrat na bango au Basignaka. Le contrat na bango est divisé par deux. Première partie donne un mandat ya Conseil de sécurité des Nations Unies na appui au gouvernement congolais. Et ça, le gouvernement congolais a dit que vous avez tout bouclé. Et ça, na a procédure au biso de Kendanango. Le gouvernement est en train de un Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. On a l'obama kamba Monisco. Et puis que Monisco m'a kamba zosa les amabé, mais yo et sengeli yo yeba, que le nécessaire, ils allaient te Monisco a kiri. Le nécessaire pour le moment, ils allaient ko yeba, qu'est-ce qui se passe? Yo komona ka ke Monisco a zosa la mabé, or mabé a Monisco yo gozala. Mais ils ont abattu Monisco, bah l'ingba sala on a forme comme si crise moko ils allaient entre le gouvernement et la Monisco, on a kouba bank sa investisseur bain. Tous ont flatté Monisco, t'es tombé que ils en faillite pendant 20 ans à 18 ans, on a bien la mobile baba l'équipe. Ba maman na biso ba papa na biso ba passé na ba difficulté makasi na beni na ba tierie na ba viol même en présence à Monisco mais biso to yebi stratégie yango zo mona même appui à président de la République aux États-Unis na Russie na Serbie pour comment est-ce que ba ko soutenir biso armée na biso na logistique pe na personnel pour lutter contre bandi valet mais ce qui est en train de se passer à l'est du pays mon frère ils allient maintenant fui. Ndenge bato a def na baza ko kima sima na bango bazo piller sima na bango bazo massacre après ko kima bazo massacre oyebi ke so ki peuple congolais zo baté na est mobimbe za ina 4 généraux rwandais o baza ko poser ba atrocité na peuple congolais déjà deux baza déjà tué par le gouvernement en place l'armée en place batika ni balé mais sous la surveillance des FARDC mboka na biso to kolonga les problèmes nous l'IDPS na magistrature suprême et singe tout respecter ma procédure internationale. Ce que tangi article 215 de la constitution. Parce que clair que la loi ou soit accord signé au niveau de l'international et en a pris ses impacts que même notre constitution. Ça c'est l'article 215. Tous les accords signés en partenariat avec des relations internationales, bazali na apport moko ou soit ezali na impact ou soit na pouvoir moko plus que même la constitution congolaise. Et entrer à Monisco et c'est le magie d'un accord international. C'est que ils appellent plus que même la souveraineté peuple congolais. Je ne parle pas de la souveraineté, je parle de la loi. Parce que nul personne ne peut bafouer la souveraineté de l'État. Si peuple, il y a le but que Monisco est qu'il est. Et ça, car le peuple était la voix de l'éternel, c'est la voix de Dieu. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Tokoto, ça, on a ébissu. Mais bisou, le roi, la bateau, tout ça, mis sous mine, et on a été. Tout ça, comprendre que c'est qu'il y a un Monisco et ça n'a pas malfaiteur. On va financer Mbogo, pour être capable de crise des années. Monisco, ce n'est pas un problème. Félix Tshisekedi, en tant que chef de l'État, a une grande diplomatie et une diplomatie agissante. On est bien force à Africom dans le Congo. On est bien appuyé à Syris. On est bien appuyé à Belgique dans le Congo. Nous avons une force pour nous attaquer dans le Congo. Mais Badongolomis va comprendre déjà que nous, avant tout comme le 31 décembre, nous avons stabilité et côté dans le Congo, à l'état de la peuple. Imaginez-vous. Nos mamans ont été violées, Kabila a le pouvoir. Peuple va tomber, on a un journaliste, il faut expliquer le peuple. Kabila a 18 ans dès l'entrée à Kabila dans le pouvoir, Joseph, quand ma bébé a dit que c'est un est, peuple a tombé au karaté. Vosto Tanganda, un Rwandais, mais il y a la rébellion au Congo au nom des Congolais, condamné dans ces pays au nom de Rwanda. Mais les Congolais vont tirer la route. Mais vous, en tant que des journalistes professionnels, vous devez se poser la question de savoir. Régime Kabila pendant 18 ans,
ma base à concerne ma Kabila soit même temps ya reçoit forces armées congolaises à tient état major na est à pays. Mais peuple a tiré la retombera te ma benga ta présence ya FRDC na est à pays ça les matin attaque au barbenga na moniscoté mais balo ba que FRDC boy ya poto ku fabele et ça les matin mais le lo Félix Tshisekedi na pouvoir qui met en ouais baliko kin. Une grande partie du territoire national au niveau de l'Est a été déjà récupérée par FRDC. Totigal n'a quelques portions, autant de récupérer en gros pour stabilité à la totale. Mais peuple bino va journée, bon se comprendre, dans le régime à Félix, paye son quota, malembe, mais peuple a tout bimana balabala monusco qui est. Dans le régime à Félix, il y a Kabila, insécurité, absentier, peuple a son coufa, mais peuple a bimana balabala. C'est à vous des journalistes de comprendre que non. Makambo biso yide peto ba do ba solo kezana ba dongolo miso na se. Oyebi ke na makambo esa peyi ba nyamulenge. Esa tribu congolais te me tribu rwandais. Mais ba ke ko sala même revendication ti na esta peyi na États-Unis. Pona ko lo ba ke to lo ba kati luba, pona ko lo ba ke to lo ba ki Congo, to za tribu na kati ya esta peyi. Donc esa ba vente ba comédie moko me biso, lo ko la ba oto ye ko li sa ba ngo porti to ye ba ndeni to kote tango. Ce n'est pas un problème. Les présidents peuvent décider aujourd'hui mon histoire qui est d'accord. Mais tu bengas la munition, sous pression ben individu mon boy abami yibi, balini bati en sécurité na mon. Ah monsieur le Outio Loba, que force étrangère est une nation congolaise, mais à quoi comment à quoi ça sert? Faire des scénarios, bo benga ba belge, ma ben bo benga ba français, ma ben bazoya ko sala nini. Aussi longtemps que tu benga ba faire des scénarios à makasi, ils ont la capacité, y a combien de na ba étrangers ne sont pas nation congolaise. FRDC et Zali Makasi Tobo Yangote. Mais c'est un peu parce que Moutou a sa tête à payer à Zagin de Gonabinote. Et la mission de Joseph Kabila était balkaniser la République. Joseph Kabila, c'est un fruit rwandais. Oye pour balkaniser. Peut-être une petite histoire. Entrer à Joseph Kabila pour aller au Congo. C'est en 1997, le 17 mai 1997, nous avons eu Joseph Kabila. Première fois, Joseph Kabila a sa apparition. Et Zagin dans la ville qui s'en gagne. Après avoir continué Ngandu, Azaki en tête, il y a Afdel, et Laura Désiré Kabila Azaki porte-parole maintenant. Laura Désiré Kabila est comme président Afdel. Maintenant, après avoir continué Ngandu, Azaki président Afdel, va imposer Laura Désiré Kabila à Kagame, que nous présenter Joseph Kabila à Kisangani, avant de continuer à porter comme fils légitime. Et la mission donnée à Joseph Kabila par Mugabe, par Museveni, par les autres présidents des pays limitrophes étaient balkaniser la République démocratique du Congo. Plus de 60 km carrés, Yamabene, Nabiso, Linge, Kenyana, Rwanda, basta la une république qu'on voulait appeler la République du Volcan. Ils ont fait un projet à Joseph Kabila. Et comment maintenant pour la balkanisation en Kenya, il faut à la tête du pays qu'il y ait un Rwandais. C'est Joseph Kabila, le Rwandais, des pères et des mères. Je vous dis des choses qui sont vraies. Maintenant, Joseph Kabila continue à pouvoir avec la mission de balkaniser la République. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord diviser l'armée. Ensuite, tous les anciens généraux laissés par Mobutu, Bambouza Mabeba Koufa, Oyabiso Bahuti Koufa Nagisangani Obanani, na SAPI, colonel Oyo, Nabosani Kombo, colonel Bahuti Koufa, na cache avion te, na Bitumba SK, Mamadou, Kabila Banina pour éliminer bah grand généraux, bah grand guerrier. Maintenant, elle a éliminé le grand guerrier. Qu'est-ce qui se passe? Il faut avoir un général congolais rwandais à la République. Quelle était maintenant la mission des rwandais, des généraux rwandais? Leur mission était Koboma, un grand officier militaire congolais. Papa Mobutu avait formé les gens. Mobutu avait formé des généraux. Maintenant, bah éliminer Bango. La plupart, mais au moins, t'as dit que congolais, mais à quoi vous le battez? À quoi vous le battez pour nous? Pour éviter que Adjoinaï, Babi Sengimana, Barouandé, Bazawana pour balkaniser la République, Baoboma Bango. Alors qu'est-ce qu'elle devrait faire le président de la République actuellement? Na continue la magistrature suprême. Mais Nazana armée, Oyo, na formé Nanouté. Je dois appeler, je dois faire la politique de bon voisinage. Yango moni politique à bon voisinage, na kende les États-Unis en tant que puissance mondiale, na kende la Russie, na kende la Belgique, va soutenir quelques officiers congolais bazaliawa pour être aussi sa insécurité dans cet pays. Na yango moni présence ba militaire wana. Sans présence na bango, olingako yoka que a eger na est aussi là. Yo moko zaki na kacha Congo zomona tango fora zote ka manduki. Yo moko zaki tango fora en général. Mon frère, na ba service nous au monde, s'il y a des services qui sont très disciplinés, c'est l'armée. Mais dès que nous avons un officier général, mais à ça, sanctionné par l'Union européenne, sanctionné par les États-Unis, il n'y a pas avec l'armée qui est disciplinée. Parce que ça, c'est juste ça, très discipliné. Alors qu'est-ce qu'elle devrait faire, Félix Tshisekedi? Appeler des pays voisins, appeler les pays amis,
tels que les États-Unis pour appuyer RDC. Il y a une présence dans Bango. Donc, en bref, peuple congolais, ce qui est présent, Félix, c'est que la Bengi, Nani, la présence de militaires étrangers, pour soutenir. Parce que tu y a que Joseph Kabila a été pion par Rwanda pour battre la République. Mais la présence de pays à Miwana, moi, je vais vantir les actes. Parce que nous avons maintenant des jumelles sophistiquées, nous avons des appareils sophistiqués pour découvrir. Mon tour a été dévié, ma massacre est en train de faire pour les militaires, mais ce n'est pas mon malade. Tout ce qui est toujours la même idée, c'est que Joseph Kabila a été approché pour balkaniser le cannabis. Oh, Félix Tshisekedi a bien ici, par force étrangère, va y avoir. Mais puisque ce qui est Félix Tshisekedi, il a un mandat il y a 5 ans pour le moment. Et 5 ans renouvelables et c'est le fond. Renouvelables, voilà une déconstruction. Et cause à l'OPPE, ils ont un peu renouvelable, Kébis a perdu les coupes élections. En tout cas, Félix, le moment là, moi, on perd. Nassi, ça fait que je réponds. Est-ce qu'il a réussi pour stopper la balkanisation, on a combien de forces étrangères? Mais déjà réussir parce que place où a des finales, on s'est déjà récupéré par FRDC. Place où a des finales, on a 4 sites où a des finales, mon frère, plus de 4 millions de tonnes, on a découvert la FRDC, la massasse, la logistique. Déjà, tu réussis pour récupérer le territoire à Beni. Il y a un début d'émission dans l'émission qui est Sigali Bissoka à quelques poussières. Mon frère Félix est Sigali à réussir. Et si déjà, de réussir. Vous voyez que Joseph Kabila a fait un pouvoir, à ce qu'il a comme un adjugo. Mais Félix est Sigali à comme un adjugo. Dès que ma collègue Félix est Sigali à un adjugo, c'est-à-dire nous avons déjà récupéré le pays entre les mains des étrangers. Ma belle, ma collègue Félix est Sigali à un adjugo. Ma collègue Félix est Sigali à un adjugo. Il y a un bébé que nous avons déjà récupéré. Donc, Félix est Sigali à un personnel déjà mandat parce que. Les bilans qu'on est en train de demander au président Félix Tshisekedi, ils ont bilan 5 ans. Peuple qu'on veut qu'on confond de 10 mois, il y a le président Félix Tshisekedi dans 5 ans. Mais dans 10 mois seulement, nous avons des sautes à mouton. Dans 10 mois seulement, nous avons la gratuité des soins médicaux de 0 à 18 ans. Où ils ont à l'appliquer à bientôt. Dans 10 mois, nous avons déjà la gratuité de l'enseignement. Dans 10 mois, nous avons déjà ration pour les militaires. Dans 10 mois, nous avons déjà les soins médicaux gratuits pour les officiers et les soldats de l'armée congolaise et leurs familles civiles. Nous avons déjà nous avons des multi-routes créées par le président Félix Tshisekedi. Route nationale numéro 1. Pour les banda banda matadi, c'est ce qui est dans Lubumbashi, qui va passer dans toutes les 26 provinces. Nous avons route nationale et chemin de fer. Pour les banda banda bas Congo, et ce qui est dans Lubumbashi, qui va passer dans toutes, même dans le village Nathan Abino. Ce qui est dans le village à côté d'Abino, pour mon entraîneur, le régime Félix Tshisekedi, nous avons un mandat 10 ans, il y a 5 ans au Kaka, nous avons déjà un argument pour tout faire respecter la constitution. Mon frère, comment on a gratuité et l'eau à Pambate, qui est dans le monde qui est cuit. On a combien dans la salle de classe où il y a combien d'élèves? On a globalisé et belé à Batou et alphabétisation comme qui n'a pas tout n'a pas Félix Tshisekedi à l'ingar sauver nationale à sauver peuple. Abessou les merci de répondre toujours à ma question. Tout si maintenant ma déclaration à José Makila pour azo qualifier président de la République de Makamu et belé yoko le babouna. José Makila c'est un indiscipliné, c'est un voyou en Kouluna irresponsable. José Makila distrait Batou Awa. Moi je ne peux pas travailler avec Kabila. Mais elle va qu'elle a concertation, l'invité de Kabila était José Makila. Mais Félix Tshisekedi n'a jamais accepté de travailler avec un jeune Rwandais. Félix Tshisekedi est là, Joseph Kabila comme président de la République. Partenaire. Non, Kabila n'est pas partenaire de Félix Tshisekedi. Mais c'est FCC qui est partenaire pour faire la coalition du gouvernement. C'est là où José Makila le vit à moi. Mais non, mais il ne peut pas qualifier. Est-ce qu'il y a au moins déjà alliance entre Félix Tshisekedi et Kabila? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ça a accord signé entre les deux plateformes électorales. Quand on a dit que José Makila est indiscipliné, croyez-moi, c'est un indiscipliné. On a dit, mon frère. Parce que l'accord officiel, il y a deux plateformes électorales. Pour te former une majorité parlementaire, pour ne pas faire ce gouvernement. C'est clair, ça c'est la constitution. Attends, José Makila, comme président de la République, il a toujours pu identifier la majorité parlementaire. Ça c'est de l'escroquerie. C'est la cupidité au bateau. Il y a José Makila Bakosa. C'est un indiscipliné, un mal éduqué qui parle d'un président de la République, un citoyen, le premier citoyen de la ville, comme son frère. Donc mon frère, Olanda ba José Makila, te, baso langwane Makila ya bato. Ba José Makila ba Mila ba Makila bato. À travers le régime à Kabila pour nous distraire. Mais ce faux anamant respect anonymat, mais beaucoup gros quand même dans l'état de droit. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est déjà l'infraction contre le président de la République. Est-ce que Bakangi, pourquoi Bino Bolingo, tant que Bazo recadre mon tout qui est dans l'état de droit. N'a fini été dans recadré. Il ne peut pas qualifier le président de la République. Il n'a pas besoin de le propos, on a répété pour le respect de mon président.
Donc, battant à politicien congolais, battant à paix José Makila. José Makila, depuis quand il est devenu politicien congolais. Merci beaucoup. La démocratie ne signifie pas violer les principes. La constitution appelle le président de la République, les garants de la nation, les premiers citoyens de la République. Tout citoyen congolais est obligé de respecter le président de la République. Car la constitution elle-même protège même le président de la République en tant qu'un premier citoyen de la République. Et nous avons proposé à un responsable, père d'une famille, je ne comprends pas c'est quoi, José Makina. Donc, on parle des citoyens congolais, on parle aussi de José Makina. Quelqu'un qui a trahi même son frère Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba était son frère, mais a trahi rien. Donc, mais la politique est dynamique, qui a gagné, n'a pas été. On ne fait pas la politique par cette définition-là, qui est la politique est dynamique. Quand vous parlez que la politique est dynamique, ça signifie quoi? Donc, on a IDP. Ça signifie que trahir son frère parce que la politique est dynamique. Ça signifie que trahir ton peuple parce que la politique est dynamique. Ça signifie que vendre ton pays parce que la politique est dynamique. Non, la politique n'est pas dynamique. La politique, on le fait pour l'intérêt général. La politique, on le fait pour l'intérêt de son peuple, c'est clair. Abesso, le Tosim, maintenant, nous déclarons à Martin Fayulu et à Kolobaye, est un abus de la République démocratique du Congo, et comme on a fait, nous collons au pays qui se quitte à cause de la magistrat suprême au sommet de l'armée congolaise. Aussi longtemps que Joseph Kabila Kabange a dirigé l'armée congolaise, de Rosala Kakanaba, plutôt pas les abadjibouli, j'ai pas la Kokumara, pas congolais, plutôt pas les alités. Nan, nous m'a Thierry, mon frère, n'a pas flatté au thé, même les États-Unis, pas Kokumara. Parlons d'abord de la tuerie. Même la France va bon magaba. Na comprendre ma vieille famille, c'est la sorcellerie. Et c'est la kindo qui a Genève, va kendo qu'on soit pas dans le peuple congolais. Tout, na comprendre t'es ni ne pour ça gai. Tant où yo Fayoul, on sort ça la proposition à Golobake, tant qu'elle est la transition. Vous avez considéré qui comme chef de l'État? Félix Tshisekedi. Au moment de la transition, Félix Tshisekedi est chef de l'État. Par quel moyen? Poser Fayoul une question, à vous répondre. C'est lui qui dirige l'armée, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Peuple congolais, bon, on a un politique qui a fait le bazo salaté. Fayoul, on a Kabila basé le Komoko. Mais puis on a FCC, on travaille pour former une majorité parlementaire pour investir le gouvernement. C'est ça le respect des principes constitutionnels. Mais au Fayoul, on a le Betalika, mon frère, chef de l'État qui est le commandant suprême. Kabila, on a fait le Kinaka. Et la mission de la Mouka créée par M. Kabila était pour être Fayoul ou Anabatanga Kumba Kabila, pas un la scène. Kabila n'est plus. Kabila Zate. On lui a chassé du pouvoir par les élections. C'est lui qui est le garant des nations, c'est Félix Tshisekedi. Et la constitution appelle le président de la République le commandant suprême des forces armées. C'est Félix Tshisekedi. Et heureusement qu'il a vu dit de la comprendre. C'est quelqu'un qui est maudit, n'a trahison à Salah à Genève, ni les autres poussés à n'importe quoi. Merci vraiment à la chaîne Nao Sangoya Congo. Merci. La politique c'est l'IDPS. La machine politique c'est l'IDPS. Le président de la République c'est Félix Tshisekedi. Bolongwa, ma politique émotionnelle. Oyo ka déclaration FCC. Oyo ki déclaration Madidi. Fayoulou. Ebangisi. Bazo ça la politique, mais bazo ça la comédie politique pour embrayer les esprits faibles. Bisso du fait que tu comprenas bango, tu gères bango, tu yebi que ce n'est pas la politique, mais c'est de la comédie. Donc, vous en avez nos calmes, il n'y a rien. Félix, c'est que la politique n'a pas de problème. Ma camarade, c'est la politique n'a pas de problème. Il y a un peu de problème. En tout cas, on va confondre le nom Félix, c'est que le président de la République. Donc, vous en avez calme. Kabila, c'est le président de la République. Ma doli, ma camarade, on a été. Oh, babomi, batunaye. A qui n'a pas de problème. Kabila est le président de la République. Alors, que doli ma parce que batuba yemi doli ma kamwa te tango za burume sa ngongo. Azako linga même pas figé tient ti sekere mata na komina ko. O lobi ma ba Kabila na komina gombe, doli atindi batu ayo ko beta yo. Doli azako longola me ba sango bilamba ko eta beta bango fi. Le lona régime Félix Tshisekedi, ye wana za ozari. Ba benga Kabila ki est le commandant de l'armée ayo ko longola. Donc Fayoulou na comprendre c'est le problème de la tête. Ce que vous avez maudit, c'est le malaria, comme il s'est passé dans mon tour pour parler de n'importe quoi. Merci beaucoup. En tout cas, quand on a eu un président sur la zone, on a engagé un journaliste pour avoir toutes nos questions, nos réponses. Avec ce que tu as dit, il y a toutes nos divergences politiques qui ont été communes dans la Katia FCC, la Katia Cash, FCC a créé la Congo centrale, Cash pas créé la Katia Congo centrale, que j'ai battu, il faut que nous ayons un peu de temps pour nous ayons un peu de temps pour nous ayons un peu de temps.
Oui, peuple congolais, Kabila Lingaki Bomamboka, merci Gédéon, merci Chantal Alphonsine Mboulou, merci maman Angèle Mpumbu, papa Nanga Joseph Kamuna Moussoda, maman Florence na Los Angeles, mon fils Nanga Biber Timbalanga, merci Ebouele. Vous allez essouffler terre dans ma cambo, vous allez au Lubumbashi. Parce que ça, la politique dans Lubumbashi. Dans Lubumbashi, on a commis que Kabila faut rêver. Ça signifie que Kabila va rentrer en 2023. Tout le monde est tellement mis sur la constitution, il y a quatre principes constitutionnels qui empêchent Kabila pas avoir le pouvoir. Kabila a le pouvoir. Il y a plein de gens qui ont été détournés. Il y a qui sont de Lubumbashi qui sont. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont préparés des fuites, mon frère Gédéon. Vous avez la calme, vous avez la politique émotionnelle. Vous avez la calme, il y a des choses où Félix a raté. Félix a fait la licence, Félix a fait la poisoté. Kabila a fait la tente pour que vous ayez été. Donc vous avez la calme. À bientôt, le 24 janvier 2020. Félix Tshisekedi va totaliser une année au pouvoir. Et ça va se fêter à l'IDPS. Une année de pouvoir. Pourquoi ça va se fêter? Parce que la Constitution donne le président de la République le plein pouvoir de prendre de grandes décisions après une année. Nous allons fêter après une année Félix Tshisekedi. Et quelles seront maintenant les grandes décisions du président Félix Tshisekedi après une année? Qui vivra, verra. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakumbi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie. Suspension des fonctionnaires peu intègres, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs. Le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus, Lambert Mindi, Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement de l'essu, Tumaluaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Eshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peine fin. Découverte, Claude Ibalanqui et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pourparlers en RDC qu'en tire le peuple. Tubaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.